For fun, pour moi, c'est l'étalon moderne qui est capable de performer à 3 ans. Il faut se rappeler que la première fois qu'il a couru à 3 ans sur les obstacles, il n'avait même pas 3 ans. 15 jours plus tard, il les a eus, mais officiellement, il n'avait pas 3 ans. Et il a performé de 3 ans à 4 ans. Il a été tous les combats, donc précoce, dur. Il n'a jamais été arrêté. C'est-à-dire qu'il n'est jamais rentré au garage, il n'a pas bougé, il n'a jamais eu de problème. Et donc ça, pour moi, ça représente vraiment ce qu'on attend d'un étalon. Évidemment, il est gagnant de Groupe 1, puisqu'il est gagnant du prix Alain Dubreuil, qui se disputait cette année sur l'hippodrome de Compiègne. Il a battu à cette occasion-là James Duberlé. Le jockey a fini les 200 mètres, les 200 derniers mètres au bras, parce qu'il avait perdu la cravache. Donc c'est encore une preuve de plus que c'est vraiment, là, on a affaire à un vrai coursier. Un cheval qui n'est pas un cheval d'une course, qui a duré, qui a été précoce et en plus qui a vraiment cette volonté de gagner. Il est très digne de son père Motivator en ce sens d'ailleurs. Oui, effectivement, un Motivator, c'est encore une fois lui aussi un cheval de course, un père de chevaux de course. Hein, on ne va pas répéter, mais c'est quand même aussi le père de Trèves, hein, qui est une grande craque. Et puis qui s'avère maintenant un étalon très très utile sur l'obstacle, puisqu'il est père de gagnant de Groupe 1, autre For Fun, outre-Manche. La mère Fanny Ferry est gagnante du prix Finot, il faut s'en rappeler, et elle est, outre ça, mère de 3 gagnants de Groupe 1 dans les deux disciplines. Voilà, elle a fait effectivement Full of Gold et Fuissé, et puis For Fun maintenant. C'est une vraie souche plat obstacle, d'où il tire un peu lui aussi sa valeur, enfin ses compétences en obstacle et sa qualité sur le plat.